カカロット悟空悟空悟空悟空頼んだぞ。みんなのためにもここで負けるわけにはいかねえ。Honnêtement, on avait tellement presque craché sur Migaté que j'en avais oublié la masterclass de son animation d'Ultra. Parce que oui, lui, il prend une sacrée value avec le nouveau mode de jeu. Il était de base joué pas tant que ça avec beaucoup de Kanzen Zenkai, contrairement notamment à Gohan Beast. Donc forcément, et ben dans ce ladder où les personnages en face vont moins taper et potentiellement même moins tanker, son lob va être d'une grande efficacité. Alors oui, on sait qu'il y a beaucoup de rouge dans la méta, donc ça peut potentiellement paraître compliqué pour lui et qu'il reviendra peut-être encore plus que lorsqu'il y aura des violets, quoique c'est pas certain. Mais en tout cas, à 10 étoiles, on a coupé quelque chose de sympathique. On a fait ça l'autre fois en live, mais ça sera pas des games du live, hein, ça sera des games que je vais tourner avec vous. Et on va le jouer évidemment sous 4 Cap Zenkai, mais dans cette team là. Alors oui, une full yellow dans la méta, il faut avoir une belle paire de coronets. Et vous doutez bien que la seconde game pourrait potentiellement paraître compliquée, mais sur le papier, on peut faire des choses sympas avec aussi le tag Evo, le tag Ligne Royale, pardon, plutôt, qui va avoir aussi 4 KZ Zenkai. Donc il va pouvoir taper très fort avec de très très bons items. Vous allez voir qu'une team full yellow, honnêtement, c'est presque jouable. Allez, comme d'hab les gars, on va affronter GT. GT, bah il y a double rouge avec Omega et avec Super 67. Donc dans chacun des match-ups, on va forcément affronter un personnage rouge. Vous savez quoi? Je vais essayer de partir là-dessus. Alors le tag Ligne Royale, ce qui est cool, c'est qu'il va cut le ki à partir de 50% HP. Et ça vous permet de partir sur Vegeta. Et par contre, je pense que Vegeta, il peut faire très 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 mal. C'est un all-in. Il est parti avec son double rouge directement pour essayer de faire la différence. Alors on va pas se mentir que du coup, ça me laisse une chance pour la seconde game. Même si celle-là va être dure. On sait jamais ce qui peut se passer. Et là, c'est justement ce qu'on va tenter de faire. Même si on a une main relativement moisie. Parce qu'on n'a pas eu une seule blast, c'est très moche. Ok. Il a eu peur de Migaté, notre cher ami là, les gars. Mort. Ok. Et ben alors là, la team, elle est... Oh lolo lolo lolo. Ah oui, les Cap Zenkai dans ce mode de jeu, bah hey, oui, oui, oui. Et si l'attaque c'est perfect dodge, c'est gagné. Et là c'est terminé, hein, parce que là Migaté il tabasse, hein. Regardez contre type ici. Hein. Bon, c'est 4 étoiles, mais bon quand même, ça nous servira assez hein, pour tabasser l'adversaire. Blast ici. Ultime, et gagner cette game, magnifique. Quoi? Mais je suis un débile. Mais je suis un putain de gogol. Bah après il a plus de TP là. Il a plus de TP, il est mort. C'est bon, c'est rien. Je fais ça pour le divertissement. Vous vous ennuyez devant les vidéos. Mais oui, si tu vois le mec qui fait tout bien. C'est trop lisse. On crée un peu d'entertainment. Oui oui, on va faire genre qu'on avait on va faire genre qu'on avait fait exprès. Sauf que là, il va potentiellement bien regretter son énorme prise de risque. Parce que derrière, on a 3 personnages qui ont 3 Cap Zenkai. Oui, voire même 4 potentiellement. Donc évidemment qu'on va pouvoir taper très fort. Et qu'il n'y a pas de rouge. Et là, ben, on se frotte les mains. On se frotte les mimines. Puis regardez, Goku SSJ4, c'est quand même 3,6 millions d'HP. Plus que quoi. Alors la première game ne laguait pas. Et j'ai l'impression que ça va lag sur la deuxième. Donc, on va être Bardock. Bardock qui va être important parce qu'il va se booster, hein, je rappelle, en restant sur le terrain. Évidemment, nous, c'est ce qu'on cherche aussi. Ah,
Oui, c'est Super Vegeta Zenkai. Oui. Ouais, ouais, on n'a pas d'anti-cover. Bon, c'est pas trop grave en vrai, on n'a pas d'anti-cover, les gars, donc... En fait, il va TP hein, si on ulti, hein, donc... c'était pas... Faut pas croire que c'est si simple. Allez, on va le faire switcher, là. Voilà. La team, elle est pas mal, hein. La team, c'est pas mal du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plus que correct. Hein. On est en train de le mettre dans ses retranchements. Ah! Oh! Bizarre ce move de pas avoir attaqué derrière. Il a pas dû entendre le pas de côté. Et là, à ce moment-là, on a l'anti-cover et je pense qu'on va prendre un kill facilement. Alors, il a plutôt mal joué. Bon, là, on est parti pour aller la chercher, celle-là, les gars. Je pense qu'il n'y aura pas de revanche. Et le but de la team, c'est que je vous montre la totalité aussi. Donc, justement, c'est parfait. Pioche une carte avec Super Vegeta. Faire le boulot, là. Et on n'a pas d'allié mort, donc là, l'ulti de Goku, ça va pas être ça. Ça ne va pas être trop ça. Ok. Et l'aspect, même pas besoin de l'aspect. Magnifique, magnifique BO3. Enfin, un PO3, on a fait que deux games. Au final, on sera pas allé en Battle of Pride. Mais bah, on a fait le taf. Hein. Il a pris double rouge, il a pris risque, mais on a déchiré sa team. Alors, par contre, en fait... Croiser du rouge, vous avez vu, ça peut être pénible. Mais ça peut avoir aussi l'effet inverse, de se dire que bah si on a un peu de réussite, 6800% de bonus capacité hein, la team, bah si on a de la réussite et qu'on arrive à passer sur Vegeta et toucher notre adversaire, on va l'atomiser. Ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de CI7 Hellfighter, donc il n'y aura même pas de violet en face hein, c'est bon. Même stratégie par l'adversaire, on prend double rouge et on essaye de gagner la première game en se disant que la deuxième est forcément gagnée, ce qui encore une fois va vous alors que c'est pas si simple. Alors la team que je vais jouer, c'est presque une team d'avenir, je veux dire, parce qu'en vrai, bah en fait on peut pas faire pire match-up que là. On peut pas faire pire match-up que autant de rouge. C'est pas possible d'avoir plus de rouge que ça. On est au max du max. Donc à partir de ça, quand il y aura moins de rouge, il sera forcément plus fort. J'ai hâte, cette team je la garde de côté. On la rejouera hein. Alors attention, on va spé là-dessus. Est-ce que c'est Deku en face? C'est quoi cette histoire? Ah non, c'est pas Deku, non, pas du tout. Faut faire attention des fois parce qu'on a l'impression que ça Deku en face ou quoi, mais ouais, non, par contre, c'est incroyable. Encore une fois, là, bah, on va faire ce qu'on devait faire. Ah, par contre, il a esquive. Hein. Alors là, c'est... Je sais pas combien on lui cale, mais c'est légendaire. Hein. C'est 3,5 millions. Par contre, encore une fois, là, attention. Il va faire super gaffe. Vous avez enlevé les deux cuts de ki. Bon réflexe. Vegeta Evo qui va nullifier sur l'aspect là-dessus. On essaie de mettre la pression comme on peut. Migaté, il va arriver en finisseur de kill et ça me plaît, ça. Alors, attention. On va pas blast là derrière. Parce que j'ai bien peur qu'il ait une verte. Waouh! Dommage, hein. On a mis tout le monde low, mais on a pris 0 kill, les gars. Donc ça peut nous coûter cher, ouais.
Ça peut nous coûter très cher à partir de maintenant même. Ouais, il y a de grandes chances pour que Killy en face soit pris là. Ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire malheureusement beaucoup. Ah, au moment où on attaque, on n'a pas trop de reshit non plus. Hein. Est-ce qu'il y aura une strike? Ou une spé? On va prendre très cher si on passe à travers. Hein. Ouais, on a pas le choix. Ok. Ok, vous avez vu comment on arrive à tabasser ces rouges quand même, parce que là encore une fois, hein, on a, bah, alors c'est le meilleur trio, ça c'est sûr, potentiellement qu'on a de la team en fait, hein, littéralement, mais ça fait deux games où face à double rouge, on arrive à faire la diff, c'est un bon genre en face, c'est un bon genre, il va falloir se méfier dans la deuxième, mais c'est un bon genre. Non mais en vrai, pas de revanche, mais rien à dire sur la team, c'est hyper drôle, je veux dire, je pense que je vais me régaler s'il y a un violet qui sort. Je pense que s'il y a un violet qui sort, je sors ça histoire de juste l'abattre, tu sais. Putain, ouais, non, franchement, vraiment plutôt bien. Encore deux rouges en face de nous, comme dans toutes les games. Mais par contre, vraiment, il faut absolument, les gars, qu'ils fassent quelque chose au niveau des couleurs sur le jeu. Il y a trop de rouge. Le rouge domine beaucoup trop sur le jeu. C'est affolant. Franchement, c'est juste affolant de voir autant de rouges forts sur le jeu. On a rarement vu une couleur aussi dominante, mais pendant très longtemps, là, c'est... Ça fait depuis le fest, quoi. Et ouais, là, cut de kill directement, hein, c'est le problème de la team. Enfin, le problème, et heureusement qu'on a ça encore. Hein. Mais, le cut de kill, ça va? Ouais, bah, je fais ta vie. Fais ta vie. Pas de galère. Le cut de kill, en fait, je crois qu'il a proc pile poil au moment où il a main. Ah ouais, non, mais heureux en face, là. Je pense qu'on va mettre Migaté là, les gars, pour lock. Oh là là, Migaté. Oh, il fait trop mal. 3 blasts gauche à 4. Tout va bien. J'ai bien envie d'aller chercher la vitesse de pioche. Bien joué. Très bien joué d'avoir fait ça. Très bien joué, parce que là, il va nous enlever l'anti-survie. Les dégâts de Migaté, c'est honteux. Allez, le deuxième. T'en as eu un, t'en prends un deuxième. Ah, Migaté, c'est quelqu'un dans la team. On a beau dire ce qu'on veut. Hein. On a beau dire ce qu'on veut sur le perso. Là, si on l'attrape. Ah bah alors là. Il m'en faudra pas 36, mon ami. Ça fait longtemps que le LF, on le voit pas trop en plus, celui-là, donc... Ouais,
Encore une fois, les gars, je suis dans le rangode. Enfin, on n'est pas rangode parce que par an 70, pas la deuxième partie de saison. Mais encore une fois, ben je me balade. On a beau dire ce qu'on veut, mais je me balade. Je me balade avec une team qui, sur le papier, ben, n'est pas du tout jouable comme on le penserait. Allez! Ce qui est juste dommage ici, c'est qu'on a... On a pas... Hein? Goku Namek? Ah, j'avais même pas capté, c'est Goku Namek! Ah ouais, mais c'est pas le bon, là! Mon ami, tu t'es trompé! Ah non, mon ami, tu t'es trompé, là! Non, tu t'es trompé, les paroles c'est bien, mais à l'hôpital c'est pas pareil. T'es mort! Il a pris Goku Namek! Ah bon? Ah bon? En vrai, vas-y go. Go pour une simple et bonne raison. On prend son revive, Il peut pas carte verte, donc je pense qu'il a pas la jauge. Et on va mettre de gros dégâts. Hey! Let's go! Le jeu qui est tout là pour te casser les couilles. Ah là là, quel jeu. Pequan, je viens t'aider, j'arrive. Ok. Oh. Open safe. Ça c'est dommage, hein. Ah ça c'est dommage aussi. Non. Je suis mort là. Là on va voir la tankiness de la team parce que si je tanque ça c'est monstrueux. Ouais ça tient, ça tanque. Ah frérot. Je t'ai dit quoi? T'as pas voulu m'écouter. Kamehameha! Désolé pour vos oreilles. Main, il va main, je pense. Oh, c'est du pur jus 100% français ici! On soutient nos agriculteurs parce qu'on farme du noob! Les agriculteurs ont du talent. On farme du noob là! Farming Simulator! Non! Non! Oui! On est au-dessus du lot avec cette team yellow. Incroyable. Franchement, rien à dire. Incroyable. Les gars, c'est parti face à la bête qu'on n'avait pas encore vue jusqu'alors. Donc, pourquoi pas, hein, on va refaire le même trio et la même chose. Si jamais l'adversaire, les gars, il ne prend pas Beast et qu'il le garde pour la deuxième game... Tu connais, je crois que t'as compris. Je crois que t'es pas bête, je crois qu'on a tous compris. Bon, il a pris la bête. Bon bah c'est dommage, encore une fois on ne prend que le cut de kid maintenant, c'est un peu embêtant mais bon.
Au moins en transfo. Enfin en transfo, en tag, pardon. Bon bah les deux cuts de qui hein. Ça c'est pas top en vrai. Ça peut nous faire grid ça hein. Faire gaffe. Transfo fond de map. Ouais, mais je pense que je suis pas là. Ouais, il se sent obligé, mais moi je pense que je suis pas. Mais bon, il veut pas prendre de risques en face. Alors, à savoir qu'un aller KO veut pas dire que je perds la game parce que je vais choper du coup la nullification sur les ultimes de Migaté. Ça peut être intéressant, même s'il y a certains rouges du jeu qui la dispel quand même. Bah, notamment Beast. Hein. Voilà, Migaté. Ok, Migaté, ok. On n'a jamais nullifié du combo là. On n'a pas une seule fois nullifié du combo, c'est une dinguerie. Ah, oh, il est effrayant. Il est effrayant, Migaté. Il a... Du coup, bah, derrière, il y a double Jiren en vrai. Hein. Double Jiren MVP. Donc, bah. C'est pas. C'est pas le top top quoi. Attends, parce que MVP et Jiren les gars ça se... Ça se cycle vraiment trop trop bien. Ouais vous avez vu, hein, ça revient super vite, alors on a bien joué mais... Faire attention quand même. Est-ce que le pas de côté est fait directement ou pas? Non, bien joué. Bon ouais, super Vegeta, let's go. On va faire mal là, non? 3 millions d'HP. Bah évidemment qu'il a son item hein. Lui on lui a mis son item. Ouais c'est pas mal les gars. Ça se cycle tellement vite avec Jiren Jaune les gars que faut que je fasse super attention en fait. Ah je pensais pouvoir d'accord. Je pensais avoir fait ce qu'il fallait ici mais pas du tout. Ok. À vouloir rising là je pense. Verte. Ah je pensais qu'il a cliqué sur la verte.
On se jette un petit peu, attention. Ça pourrait coûter cher, ça. Bon, malheureusement, ça va rising, là. Voilà, normal. Et Diren Jaune qui s'est tellement soigné, c'est une folie. Diren Jaune qui était plutôt bas en termes de vie et qui est en train de se soigner de malade, il faut que je l'arrête parce que ça m'a se passé. Et lui, Marazing, il va mettre 5-6 millions de dégâts, peut-être même plus. 6 millions, hein. Il aurait dû rising tout de suite. Il a fait une petite erreur là-dessus. On va partir sur un long combo là, je pense. Non, je pense. Hey, il est bienvenu dans la game. Il va aller chercher sa victoire en face. Il le méritera. Il le méritera parce que je n'arrive plus à toucher. Et bah, sans anti-cover, c'est absolument horrible. Allez, Diren Jaune qui va nous mettre une leçon ici de tankiness. Diren Jaune légendaire. Diren Jaune légendaire qui va lui permettre d'aller s'imposer. Les amis, je pense. Après, si je place mon rising, il y a un monde où il se passe quelque chose, mais il va tout faire pour que je le fasse pas. Cover de malade. Et l'aspect derrière. Non, c'est quoi cette game? On soigne? On meurt pas là-dessus? À tout moment, je la gagne là-dessus. À tout moment, je la gagne là-dessus. Après, son Diren Jaune, il tank. Mais à tout moment, avec les dégâts, je la gagne là-dessus. On perd à combien? Ah bah, je pourrais même pas voir. Je suis sûr, les mecs, ils ont trop de chance en face de moi. Genre, vraiment, ils ont le, tu sais, le coup de pouce du destin. Et c'est tous les jours que j'en ai des games comme ça. Le coup de pouce du destin, tu sais. Bon, ouais, dommage. Allez, bah, on part là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ah non, c'est... On a connu plus lucky, quand même. Bon. Parti, hein. Ouais, c'est un peu concentré, là. Ce qui est chiant, c'est que vous voyez là, les gars, le problème. J'arrive pas à aller chercher le tag. Mais quoi, mes cartes coûtent trop cher, en fait. On va le tenter. Tranquille. Qu'est-ce que c'est merveilleusement bien tanké. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant d'être humée verte. J'en avais deux. Évidemment, c'est Cover Blast en face, hein, donc faut faire gaffe à ça. On est en train de faire une belle diff. On est en train de faire une belle diff dans ce Battle of Pride. Et on se retrouve en 1v3.
On a plus le main de Migaté. Vous savez comment Migaté il a pris la game. T'as gagné. Bah oui, c'est moins étoilé en face, du coup Migaté dès qu'il attrape, bah, c'est trop fort. Mais bon après. On attrape pas toutes les games non plus, donc faut pas. Pas crier victoire trop vite non plus tout le temps. Tellement de soins ce perso de merde. Mort. Putain, on arrive à tanker des speed Gohan Beast en vrai. Normalement c'est fini là. Bon alors, d'accord, pas, soit. Si derrière. Alors là, derrière, je comprends pas comment il fait. Hein. Si là, il a l'esquive, j'ai pas compris. Il a pas de spé. Il a plus le main. Il a plus le main, je crois. Hein. Oh là, je le sens mal. En général, je le sens mal dans le truc. T'as l'impression que le mec, il va toujours avoir un truc. Et on s'impose avec la team Fouillé. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je suis toujours très content de pouvoir vous cuisiner des petites teams comme ça. Parce que plus je fais de vidéos comme ça, plus ça vous peut-être donne envie d'essayer des choses en fonction de votre box. C'est pour ça que je reste pas cantonné à une team, à un seul showcase. Et tous les jours, j'essaye de changer pour vous trouver des compos intéressants dans ce mode de jeu. Et pourtant, bah encore une fois, on peut aller regarder. Mais je suis hyper haut dans ladder. Regardez, on est combien? Top 500. Monstrueux. On se dit après, prince Fouillé. Ciao. Snake like, don't let you on the ride.